Nous allons parler avec Lavoisier Junior Cherizier, politologue et philosophe sur la situation pays en Haïti, un pays gangstérisé, un pays côté vide institutionnel, choquant, hein? Pas de parlement, pas de président, le premier ministre illégitime, tout ça. On a regardé les commentaires Lavoisier qui est ensemble avec nous. Bonjour. Oh, bonjour guerrier, bonjour tout panélicio, bonjour avec tout auditeur auditrice Radio Caraïbes. C'est un plaisir pour moi avec nous matin là. Nous saluons tout pays en général qui a côté qui branché. Donc vous devez parler avec nous matin pour garder qui ça qui mène nous là, comment nous faire arriver là et qui sont pensés que tu as fait pour aider une sortie là. Dis-nous non. Bon, et tout d'abord, si nous regardons, nous avons avec un peu d'attention, je veux dire, la matin, hein, et comment un peu le monde a pris les, ou est capable d'exprimer en quelque sorte frustration yo, auprès de l'autorité publique yo, qui n'a pas qu'à en quelque sorte délivrer service et satisfaire besoin yo, en quelque sorte. Et c'est bien malheureux, nous avons regardé comment, avec un regard critique, que la population sent-il en quelque sorte délaissée et abandonnée, laissée pour compte. Parce que je sentis que l'État, en quelque sorte, pas considéré en tant que des citoyens à part entière. Et phénomène, ça, en quelque sorte, le plus souvent, nous toujours prêter l'accent sur phénomène. Yo. Parce que toute analyse qui fait le plus souvent, c'est une analyse conjoncturelle, sans nous pas rentrer dans une dynamique pour nous cerner problématiques de façon structurelle. Ceci étant dit, si nous arrivons à comprendre la dynamique qui mène nous la journée aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier quelques éléments dans le devenir historique, nous, qui fait que je n'ai aujourd'hui ensemble de contradictions internes qui existent dans la société haïtienne, avec, bien entendu, implication et intervention quelques forces extérieures qui expliquaient le phénomène nous gagnons là, je dis. Parce que si nous remarquons bien, à aucun moment, pas jamais une analyse ethnographique qui fait sur la réalité pays d'Haïti. C'est-à-dire qu'en dedans société haïtienne. Parce que un concept que nous utilisons en dedans pays hein, qui masquait la réalité ethnique qui est en dedans pays d'Haïti. C'est le concept de nation. Et si nous regardons bien, nous toujours considérer Haïti comme étant un État-nation. Mais cependant, le concept nation, en quelque sorte, n'a porté juridiquement, les cachés, une réalité socio-ethnique qui gouvernait le comportement du peuple haïtien. Ça me le dit pas là. C'est que nous, en dedans pays d'Haïti, il y a deux groupes ethniques qui existaient en dedans société. Qui ont une compréhension de réalité complètement différente. Nous avons une majorité qui représente 95% de Nègre-Matègre, et de notre côté, vous avez 5% mulâtres. C'est la mulâtrie haïtienne, et vient ajouter, à la fin du 19e siècle, l'arrivée des Syro-Libanais, qui pourra venir Chita ensemble avec la mulâtrie haïtienne, pour faire une alliance tacite vers la fin, avec l'effondrement du régime de Duvalier, et qui pourrait accoucher sa nouée aujourd'hui là que nous avons les tentatives de transition démocratique pour être capable de mettre en place des institutions qui vont permettre à ce que vous assurez un minimum de conditions pour la population. Mais si nous bien comprendre et s'y entrer dans la dynamique, ça n'a pas que l'avènement de l'État pétion, que nous qualifions de pétionnisme en quelque sorte, l'État pétion, ça, il n'est pas construit en quelque sorte pour le nègre. C'est-à-dire pour Tine Gnoatet Green, 95% haïtien Tine Gnoatet Green, qui, à la sortie de la révolution haïtienne, t'es venu trouver où sentait sans aucun moyen économique pour être capable de répondre avec besoin. Et ceci étant dit, pétion, t'es comprendre réalité ça tellement bien que l'État mettait en place l'État, ça nous gagne là. L'État 1806, ça. Et c'est l'État plus 1806, ça, dans sa philosophie, de sa conception même, il était bâti pour répondre aux besoins de la mulâtrie haïtienne. Et nous avons,
pendant un certain nombre de temps, vu la tri haïtienne était considérée comme étant le modèle prééminent pour nous-mêmes, qui n'est ma tête graine, qui était dépourvu de modèle. Et si nous regardons bien ce qu'a fait là, c'est qu'à chaque fois qu'on tentative qui fait pour qui n'est ma tête graine monter sous l'État pétion ça, pour la coucher, un changement pour changer conditions socio-économiques, matérielles liées dans la société, les aboutit en échec. Nous avons bien entendu, première, les fêtes en 1848, crise 48, le système n'a régénéré tête li. Nous gagnons les fêtes aussi en 1908. Nous gagnons aussi les fêtes en 1946 avec le mouvement Filioni qui pourrait déboucher avec du Marseille estimé, mouvement noiriste, alors que les mulattes même pas le prôner, bien entendu, le nationalisme. Ceci étant dit que nous venons vivre dans nos situations. À chaque fois qu'on a une tentative majeure qui fait, Poutine va être grain pour prendre contrôle de l'État, ça, qui, en quelque sorte, de par essence, n'a rien à voir avec la réalité ethnique qui va être grain, eh bien, nous sommes capables de dire, mes chers amis, que je dis, nous sommes en situation, c'est pas on secret pour personne, pour nous voyager, nous, que tout malheur, nous, ouais, qui résistait dans le pays d'Haïti, les concerner seulement Poutine va être grain. Je vais prendre des exemples pour nous. Les constats sont là, les données sont là, statistiques, pas qu'à mentir. Les nouveaux genoux, dans la question exil, nous regardons si nous avons des gens qui sont en Pont-Exas, nous ne jouons pas aux Milates, nous ne jouons aussi aux Libanais. Si nous regardons si nous avons des gens qui sont en Rage, Brésil, les Odyssées haïtiens qui ont passé dans Rage, Brésil, dans Brésil, Chili, dans Rage, Chili, nous ne jouons pas aux Milates. Soit vous le jour, ou regardez si nous avons battu en République Dominicaine. OK, ou pas je n'ai pas de ou pas je n'ai pas aussi au Libanais. Et si vous avez vu, bien entendu, en dedans pays d'Haïti, vous avez des petits gangs avec des sandales dans pile. Combien de petites milates, combien de petites au Libanais, ou en dedans pays d'Haïti qui a des petits amnomènes avec sa patte dans pile, vous avez vu. Maintenant, c'est une réalité que le monde a supposé voyager pour garder. Pour quelle raison? Parce que vous apprenez, nous, que nous tous ces Haïtiens, mais en réalité, nous victimes de concepts nation ça qui en quelque sorte cachent réalité socio-ethnique ça dans le pays. Yes. Lavoisier, vous dites qu'on résistance pour que tu n'es graine, tête graine, pas arriver prendre pouvoir. Et à chaque fois ça arrive, il a échoué. N'importe où est Duvalier, petit avec papa qui fait presque 30 ans. Et depuis après, nous ne savons pas sous pouvoir. Nous, ouais, c'est tête graine qui au timon des affaires, c'est Ted Grenio qui a pris le pouvoir. Donc maintenant, ça fait tant là que Ted Grenio a dirigé. Oui, en fait, on n'a pas vraiment saisi. Et on va parler de pouvoir, on va parler de l'État. Alors, il y a une grande différence. L'État, en quelque sorte, c'est l'espace dans lequel le pouvoir est exercé. OK, c'est une structure. Hein. Maintenant, faites attention, parce que c'est ça de griver dirigeant. À chaque fois qu'on tentative, les dirigeants élus griver sous la tête l'État, mais ils viennent rendre compte que le pagain est le pouvoir réel. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités dans l'ombre, une force qui est cachée dans l'ombre qui a manipulé l'État. C'est-à-dire qu'ils viennent jouer sans pouvoir. Et c'est ça qui peut expliquer dynamique et Aristide. L'Aristide dit, pour dire je veux et je peux, parce qu'il rend compte que le pagain pouvoir n'emmène réel pour le capable de diriger le pays. Et il a fait tentative pour le ressaisir, accaparer de l'ensemble des outils et des instruments qui vous permettent de vraiment diriger comme cela. Et t'as supposé faire, eh bien, lui a escompté avec un échec, côté lui joint deux coups d'État. Maintenant, nous allons le même cas pour arriver avec Jovenel. À chaque fois que Jovenel t'arrive, t'allais essayer pour voir s'il a récupéré le pouvoir, pour le capable d'arriver, mettre en place, accoucher changement de vie, eh bien, capable de constater que Jovenel Jodian, à qui ça aboutit. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas le pouvoir en soi. Il y a deux pouvoirs pour considérer. Il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir politique. C'est normal. Hein? Normalement, c'est politique qui a supposé une prédominance sur le pouvoir économique. Mais dans notre réalité, c'est le pouvoir économique en quelque sorte. Côté 95% richesse la concentrée dans mes 5% mulatti au Libanais. C'est eux-mêmes en quelque sorte qui décidaient qui est-ce qui pourra le sénateur. C'est eux-mêmes qui finançaient l'élection. C'est eux-mêmes qui finançaient sénateur, député pour dans position ça. C'est eux-mêmes qui choisissent ministre. Maintenant, l'autre dit comme ça qu'il y a dirigé. Comment il y a dirigé?
là yo gen déjà à la base dans processus de marche pour arriver la conquête du pouvoir, yo te gen temps entré dans dynamique de contrôle rond côté que yo gen temps tourné des outils, des popettes entre les mains de ces mulats syro-libanais qui gen contrôle l'économie en dans pays. Maintenant il faut comprendre que l'enjeu ici est de taille. C'est mon question de et est-ce que nous gen pouvoir? C'est une question de si après 86 nous entrons dans une dynamique de démocratie réelle. J'aime dire démocratie réelle. 80% population haïtienne, non, c'est nous alliés. C'est-à-dire que si nous disons pas pouvoir réel en termes de démocratie, c'est que pouvoir t'a supposé revient à nous-mêmes pour nous choisir de façon libre nos dirigeants. Mais lorsque nous n'avons pas les ressources nécessaires, nous avons carence en matière d'éducation, c'est-à-dire notre formation civique n'est pas forcément faite, si nous n'avons pas un niveau d'éducation suffisamment qui pour permettre à ce que nous font choix et éclairé sur ce qu'on a choisi. Deuxième handicap majeur, ce sont les conditions économiques et sociales. Comment tu n'es pas tête grenant pour elle dire pour choisir de façon libre moun pour le mettre au timon des affaires de l'État pour prendre décision pour lui, alors que lui connaît que et gros mulati au Libanais, qui a vu une potenti feitol, qui a vu une potenti l'huile, qui a vu une. C'est-à-dire, il a joué sur misère amère et conditions socio-économiques masse-là, de façon à ce que pour yon toujours vulnérable et achetable, pour yon capable, les voir arriver dans la période d'élection, pour yon capable de choisir moun yon vle de façon éclairée. Maintenant, ceci étant dit, comment ce constat est fait? Si nous faisons une analyse systémique de la situation du pays, vous avez dans le premier niveau l'Occident. J'ai bien dit l'Occident, on va parler de les États-Unis, parce que les États-Unis, en quelque sorte, c'est le leader privilégié de l'Occident. Les États-Unis, c'est vrai, les politiques étrangères vis-à-vis d'Haïti, qui en quelque sorte, et depuis quelque temps, n'est pas accouché que désastre en dedans pays d'Haïti. Maintenant, si nous parlons de l'Occident dans le premier niveau, nous parlons de l'Occident, ni l'Europe, ni les États-Unis, yon gen allié naturel yon de nos pays. L'Europe, au 19e siècle, pour arriver dans le 20e siècle, c'était la mulâtrie haïtienne qui représentait les intérêts des mulâtres, des Européens, surtout la France et l'Allemagne yon de nos pays d'Haïti. Mais par la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des Syro-Libanais en 1880, nous parlons les États-Unis pour le voyer, et Syro-Libanais yon de nos pays, pour yon capable, bien entendu, ralentir, mettre un frein avec l'influence des Européens, et puis représenter les intérêts des Américains yon de nos pays d'Haïti. Ceci étant dit, ces deux groupes, en quelque sorte, deux groupes, ça, pour arriver vers la fin, je vais mettre tête ensemble vers la fin de 1986, je vais faire une alliance tacite, côté que je connais une démocratie réelle, la parole constitue une menace pour intérêt avec hégémonie sociale. Eh bien, je vais prendre en quelque sorte, entraîner une dynamique pour être capable d'utiliser cette classe moyenne. En quelque sorte, qui aliéné. Et puis, nous connaissons avec ces questions d'avocat, ces questions anti-moyens, ces questions caïdalbiton, en quelque sorte, pour être capable d'utiliser, monter au timon des affaires de l'État, et puis manipuler de façon telle à ce que pour être capable de servir les intérêts des mulâtres plus clairs, plus simples, sans aucun doute. Alors, c'est ça qu'il faut toujours, tinek ma tête grenant, à manifester, à faire bruit dans la rue, à demander, ou bien le pré-exil, ou bien l'alfinir en bas pour Texas, à subir toute humiliation à travers le monde là, sans que les pays disent c'est haïtien. Mais à aucun moment, pas jeune mulâtre, les ont dit haïtien. À aucun moment, ou pas jeune aussi au Libanais, les ont dit haïtien. Bon, pour m'a touché avant, ou t'as pas l'état, les âmes, t'as tendu, t'as parlé de questions passeport. On prend un petit temps, tout petit. Combien de monde qui carré li pour dire ou un mulâtre aussi au Libanais, campé dans ligne après ton passeport? Cap un coup de bâton dans la police. Yo pas haïtien? C'est mulâtre, c'est si au Libanais, soi-disant de dans le pays, yo pas haïtien? Comment passeport pas yo fait? Gon agence, est-ce que gon agence qui fait passeport pas mulâtre si au Libanais yo de façon différente? Est-ce que gon, parce que, écoutez, faut nous clair ou net à tête nous, parce que nous n'en 21e siècle, nous pas arrêter croiser les bras comme si c'est normal. Nous avons un groupe nègre qui s'est tendu dans le pays, qui a les têtes mulâtres au Libanais pendant nous dans le 21e siècle. Nous avons accès à la question de passeport. Oui. Là, pas oublier tout, ça n'a pas vivre là. Et mon capral fait demander là, c'est des gens qui probablement pas de bien espoir que vous avez voyagé.
Donc on y a la manne qui tombait, tout le monde a pressé à le faire passeport, mais le monde ça va parler à la qui c'est mieux là tu donc même si au bureau des passeport déjà quand même pas quoi c'est dans qu'on y a là il a le besoin faire passeport passeport il a besoin dans pas juste des monde qui habitué voyager il y a des moyens mais là c'est des monde qui peut-être dans situation difficile soit pour insécurité ou bien problème économique qui besoin quitter pays hein. Donc c'est exactement ça, on est déjà ouais il y a un peu de richesse pays n'a même pas besoin de faire passeport et qu'on va le jouer en ligne même genre avec un monde qui lui même pas d'espoir voyager mais c'est exactement pour ça toujours c'est-à-dire que il y a pas de nécessité pour ça et depuis longtemps que avec l'état pétion il était toujours exempt de tout problème calamité ou est-ce qu'il est grenade confronté c'est-à-dire que il y a à l'abri de danger. Si vous êtes à l'abri du danger, comment vous voulez, en quelque sorte, vous sentir concerné au premier plan de ce qui a privé nous-mêmes. Mais les n'a parlé, nous les avons dit haïtiens, nous est tout le monde parlé de Mila de Sio Libanais comme étant haïtien. Mais l'on regarde dans la réalité, ou pas l'on dit haïtien, ou est-ce une notion, en quelque sorte, et qui cachait une réalité ethnique autre que ça nous capable dit en dedans pays, nous capable ouais, en dedans pays d'Haïti. Maintenant, on peut comprendre, peut-être, j'ai avancé pour rien, c'est que gon lavage, parce que tout contrôle appareil idéologique qui est dans le pays d'Haïti entre les mains de ces deux groupes Mounzaïo, parce que nous pas qu'à nier le fait que les appareils idéologiques, y compris l'État, bon, gon dernier constat que je fais. Sous, à part de Brandt qui ont mis l'attendait dans le pénitencier, 99% mon en dedans. C'est une égale tête graine. Si vous voulez comprendre, est-ce que c'est une égale tête graine seulement qui commet crime dans le pays d'Haïti? Est-ce que les mulattes, les Syro-Libanais, en quelque sorte, ils sont empêchés? Est-ce que le système judiciaire dans le pays n'est pas concerné avec ça et tout? Ou bien, ça t'explique le phénomène, sont entrés dans le tribunal ou entrés dans la prison, c'est une égale tête graine seulement, ouais, qui vole les poules, qui vole les œufs, qui vole les. Mais pour qui raison? Est-ce que la voisine, la voisine que ça, bah quoi, différent d'un pile d'autres pays, par exemple, États-Unis, on dit majorité des gens qui sont en prison, c'est black, c'est noir. Alors d'accord que je ne sais pas si c'est noir. Oui, ou d'accord, tout aux États-Unis, que noir, je ne sais pas, reconnaît ça, il n'y a pas nul. Et c'est ça qui fait qu'ils mettent en place mouvement pour une bataille contre ça et remettre en question mode de fonctionnement système judiciaire États-Unis. Et nous, je ne dis pas comment mouvement noir ça aux États-Unis a remettre en question l'ensemble des pratiques de racisme systémique à l'intérieur en dedans système américain. Mais nous-mêmes en Haïti qui représentait. Mais deuxièmement, les noirs aux États-Unis sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Ils représentaient à peu près seulement 23% de la population américaine. Mais aujourd'hui en Haïti, nous représentons, les Noirs représentent 95% de la population haïtienne. Comment expliquer ce phénomène de soumission dans le pays d'Haïti qui accepte une domination totale sociale, économique de petits groupes monde en dedans de tous les privilèges du pays alors que nous avons frappé l'estomac de Dessalines. Nous trouvons le normal? Pendant ce temps, nous avons des intellectuels chevronnés qui se disent, OK, et étudier dans les universités occidentales et qui vivent en étant pays. Il y a plusieurs explications sous raison qui fait nous là. Je dis à même temps de monde tout qui expliquait le problème pays à partir de international là, à partir de blanc. Yo. Donc je dis à nous pas seulement à payer. Garder problème non ou bien essayer accuser un groupe ou un secteur mais c'est comment résoudre ça comment changer tendance ça n'a pas parlé là oui en termes de solution tu me dis donc les pour ceux qui arrivent avec question la proposition maintenant tout d'abord il faut une prise de conscience de la part de cette de Milat et des Syro-Libanais. Si nous remarquons bien, je ne veux dire, à aucun moment il n'y a pas dénoncé Abdallah, à aucun moment il n'y a pas dénoncé, mais il a fallu l'international, pression de lobby auprès du gouvernement canadien et du gouvernement américain, pour que je ne veux dire, pour nous tendre Timilat, ici au Libanais, même je ne veux dire, après Figuio comme assassin, comme criminel qui a financé gang. Mais nous avons des autorités en Haïti, ils te connaissent ça, mais ils te préféré associer avec eux, au lieu que ils étaient capables de dénoncer eux.
Ceci étant dit, mes chers amis, c'est mon grand problème lié. C'est que je vous dis, hein, avec les États-Unis, et l'Occident, et puis nous gagnons au niveau du contexte géopolitique et stratégique, nous gagnons des hommes, et la Russie et la Chine qui voient un regard critique par rapport avec façon que les États-Unis et l'Occident a traité dossier haïtien. Non? Et bien, c'est normal pour que les États-Unis, obligés, avec le Canada, obligés pointer du doigt. Mais là, assis au Libanais, ça y est, on est dans la société A, qui, nous-mêmes, nous t'étons considérés, qui t'étons fait l'argent dans bonnes conditions. Parce que depuis ces mille assis au Libanais, on est dans la société A qui gagne cob, nous toujours considérons que c'est bonnes conditions. Personne ne peut questionner mille et l'agent Abdallah, agent shérif Abdallah, l'agent Bidjo, l'agent. Pas de monde qui t'étons questionné, parce que c'était normal. Nous te considérons riches, c'est normal parce que c'est Mila, c'est si au Libanais. Mais quand c'est un petit nègre en tête green, en quelque sorte, frère, nous qui semblait avec nous, qui font un petit cob, c'est soit nous disons le diable ou bien nous disons la corruption. Et pour qui raison? C'est parce que nous avons été conditionnés à ouais, petit nègre en tête green, comme un monde qui n'est pas jamais capable de moyens pour le capable de réussir dans la ville. Mais à aucun moment, si Mila, si gouvernement américain, gouvernement canadien, pas pointer du doigt Milat Sayo assis au Libanais comme gang, comme criminel en dedans société haïtienne. Non, journée aujourd'hui, pas de pèse autorité en dedans pays d'Haïti, ni Tinek Matet Green, ni intellectuel en dedans pays d'Haïti qui t'a pas gain le courage nécessaire pour être capable de dénoncer et pointer Milat Sayo du doigt. Pour quelle raison? Par peur de rétaliation, par peur de représailles, parce que vous connaissez. Bien entendu, tout nèg sa yo en dedans pays d'Haïti, mulati ou libanais, yo gen contrôle en quelque sorte les appareils répressifs, que ce soit légal et que ce soit illégal en dedans pays, pour yo commettre activité criminelle et puis pour yo capable conserver et protéger intérêt mesquin yo en dedans pays, pour yo capable conserver hégémonie sur tinèg doit être grande. C'est un fait, pas gars sortir de là ou pas caniel. Et alors c'est blanc. Merci un peu professeur Lavoisier. Que Milat là, c'est criminel pendant ce temps. Nous-mêmes, nous fait 200 ans, nous connaissons, c'est criminel, c'est volé. Nous, c'est blanc qui, pour jouer, je viens montrer nous que si au Libanais, c'est criminel, c'est volé, c'est assassin, alors que nous-mêmes, nous fait 200 ans, nous connaissons que Négio, c'est criminel, c'est volé, c'est assassin la plupart d'entre nous. Maintenant, à combien de moments, à quel moment nous, j'entendais que yo pointé Négio du doigt pour dire, OK, on est dans le pays d'Haïti, Négio, faut yo bay en quelque sorte comment yo fait arriver gen l'argent ça comment yo fait arriver riche en dedans pays personne pas de nécessité pour yo poser soulever problématique ça parce que en quelque sorte l'ensemble des structures des idées des appareils idéologiques yo conditionné nous de façon telle pour nous pas jamais questionner réalité nèg sa yo questionner conditions socio-économiques moun sa yo a vivre dans la société haïtienne. Merci un peu, professeur Lavoisier. Nous te comptons pas la cour. C'est normal pour monsieur Sao commencer à prendre conscience que jounen jodi an, bagay la pa ka rete menm jan. Lavoisier junior, chérisier, politologue, philosophe, qui t'a gardé avec nous situation pays à pour qui ça nous là, et ça qui mette nous là et fait nous de propositions pour le capable. Voilà. Merci un peu. Si c'est ton plaisir, vous me dire avec vous. Et merci quand même du faire côté bonne opportunité. Passez une très bonne journée, je salue tout le monde.